vous outillez, vous relâchez bien. Allez, vous avancez un petit peu en s'outillant, comme ceci. Voilà, tranquillement, puis vous revenez à votre point de départ. Les bras complètement relâchés, comme suspendus à vos épaules. Voilà, allez, vous travaillez bien sur ces chevilles. Voilà, les jambes sont très souples. Ok, pareil, on écarte doucement, mais on continue à avancer, puis reculer. Allez, on plie un peu plus ses jambes. Allez, même chose à 45 degrés. Toujours en progressant sur l'avant, puis sur l'arrière. Ok, talons fesses. Relâchez bien. Montez de genoux. Allez, accélère un peu. On ralentit. Allez, on compte les hanches. On tend les bras. Et on accélère la rotation. Allez, mais... Allez, doucement, flexion. Allez. Mais... Sans... Chi... Go. Loku. Switchi. Achi. Kyu. Ju. Allez, mais... Allez, on échauffe ses poignets. On serre et desserre ses poings. Et allez, on tourne sa tête de gauche à droite. Avant, arrière, en tournant de gauche à droite. Rotation, et, ne, san, chi. Autre sens, et, ne, san, chi. On change et on alterne à chaque fois. H, ne, san, chi. Go, loku, si, chi, achi, kyu, ju. Allez, aïch, cosa ok, aïch, ni, san, chi, go, look, sit, aïch, tu, tu. Ok, là maintenant ici, vous allez vers le haut, aïch, ni, san, chi, go, look, sit, aïch, tu, tu. Sur le côté, vous connaissez bien l'exercice. H. Amonchuke. Mi. San. Chi. Go. Look. Sit. H. Q. Tu. Le numéro 1. H. Mi. Le numéro 2. Bloqué. Et Urasuki. Allez, ok. Mi. On fait plusieurs fois celui-là. H. Mi. San, chi, go, lock, sit, achi, tu, tu. Le numéro 3, manji, avec le bras qui est en haut, kagitsuki. Ok, et puis là,
On part de l'autre côté. Kagetsuki. On y va? Allez, H. Mi. San. Chi. Go. Lock. Sichi. Achi. Q. Ju. Yo. Allez, bougez un peu vos épaules. Hein, grand mouvement, décompactez bien. Et, allez, on reprend. Prêt, on enchaînera à chaque fois par ces deux mouvements. Allez, H. Seconde série, Mi. Troisième série, San. Et on repart numéro 1. H. Mi. San. Numéro 1. H. Mi. San. H. Mi. San. Chi. Go. Allez encore, Eight, Mi, San, Chi, Go. Allez encore une série, Eight, Mi, San. Allez, mais décontractez-vous bien. Allez, bougez vos bras. Allez, hop. Vous mettez votre jambe gauche devant. H. Voilà, fléchissez un peu votre genou quand même, on ne doit pas avoir ses orteils. Alors, aucune puissance, malgré. Posez derrière, jambe avant, repose au point de départ. Chaque fois, c'est pas fort, on est toujours dans le cadre de l'échauffement. Mais chaque fois, insistez sur la qualité de l'aller, bien évidemment, mais aussi du retour de votre jambe. Vous frappez, les flex, avant de reposer. Allez, H. Les jambes avant, la même chose. Mais. H. Mi. H. Mi. H. Mi. San. Chi. Go. Loco, continuez. Si chi. Achi. Q. Ju. Allez, mais décontractez un peu vos jambes avant de changer de côté. Allez, vous êtes prêts? Oui. Allez, migame. Une bonne position. On fait attention au retour de jambes. Allez, H. Mi. San. Chi. Go. Loku. Si chi. Allez, continuez. Achi. Q. Ju. Hey, Yamé. Yaz, mes soufflés. Alors, relâchez-vous bien, décontractez. On reste toujours dans le cadre d'échauffement, mais on va conserver le même enchaînement de jambes que l'on vient de faire à l'instant, mais rajouter là-dessus nos techniques de poing sans aucune puissance. Allez, il arrive à main. Là, toujours le même maïguerie. Quand vous posez, il y a coup. Ensuite, sans bouger vos bras, Maïri, Kizami. Ok, donc on va doucement. H. Mi. H. Mi. H. Mi. H. Mi. H encore. Mi. Encore un. H.
Ni. Allez, mais vous soufflez avant de changer de copie. Allez, oi. Midi gamin. Donc on se positionne bien, on fait la même chose. Allez, H. Ni. H. Ni. H. Ni. H. Ni. H. Ni. Encore H. Ni. H. Ni. Allez, le dernier. H. Ni. Allez, mais décontractez-vous bien. Allez, relâchez vos épaules, décontractez vos jambes. Allez, jambes écart. Allez, on bascule droite-gauche. H, ni, san, chi, go, lock, sit, h, q, ju. Encore H, ni, san, chi, go, lock, sit, h, q, ju. Ok, on écarte un peu plus. Et puis on plisse la jambe droite. H. Allez, pliez bien. Engagez votre hanche. On reste du même côté. Ni. Toujours du même côté, on passe sur l'arrière. Sans. Allez, mollet au sol. On écarte le genou. On change de côté. H. Travaille sur l'intérieur de sa cuisse. Allez, on engage la hanche. Ni. On passe maintenant sur l'arrière. San. En écartant bien ici son genou, toujours pareil. Allez, vous recommencez. H. Ni. San. H. Ni. Sans. Allez, souffle un petit peu. Croisez vos jambes. Serrez. Coude en appui. Allez, on échauffe bien le bas de son dos. Allez, H. Ni. Sans. Les épaules restent au sol. Chi. Go. Les genoux restent serrés. Loku. Si. Chi. Achi. Q. Jiu, encore une série. H. Ni. San. Chi. Go. Roku. Si. Chi. Achi. Q. Jiu. Mais, posez vos pieds. Allez, tendez vos jambes. Là, on se concentre sur la hanche. Et vous faites un grand cercle avec votre hanche. Allez, H avec votre jambe. Ni. San. Chi. Go. Vous changez de sens. H. Ni. San. Chi. Go. Vous changez maintenant de jambe. H. Ni. San. Chi. Go. De sens. H. Ni. San. Chi. Go. Allez, mais vous roulez un petit peu sur le côté et vous vous asseyez. Allez, saisissez vos orteils, aplatissez votre dos, menton bien relevé. Allez, chaque expiration, vous rapprochez les coudes des genoux. Allez, c'est parti. Chacun pour soi, on descend tranquillement. Et bien, on décompacte les jambes. Tirez un peu l'arrière de ses cuisses. Allez, maintenant, eh bien, vous allez vous mettre comme ceci. Levez un petit peu le bassin. Là, vous le levez un peu. Hein. Là, vous le levez même bien, d'ailleurs. Et là, vous allez tendre votre jambe. Voilà. En descendant le bassin, là, vous venez toucher l'épaule et vous revenez. Allez, on fait 5 fois. H. Mi. San. Chi. Go. On change de jambe. H. Mi. San. Chi. Go.
On change de jambe. Aïch, mi, san, chi, go. On change de jambe. Aïch, mi, san, chi, go. Eh, mais on se décontracte. Allez, bougez vos jambes, pliez vos bras, on descend vos joints, doucement. Aïch, mi, san, chi, go. Loco, c'est chi, aïchi, q. Dieu. Allez, passez à genoux. Allez, vous allez vous mettre sur les mains et vous arrangez de faire toucher vos pouces. Voilà. Hein, les pouces se touchent et restent en contact. Vous laissez vos genoux au sol et puis vous allez plier, coude bien serré, là vous n'avez pas le choix. La poitrine vient toucher, hein, effleurer les mains, et vous ramenez votre point de départ. Ok? Alors, on fait une série de bis. H, mi, san, chi, go, loku, si chi, a chi, q, chu. On étire. Allez, décontractez bien vos bras. C'est bon, allez, on se remet dans la même position, toujours les pouces qui se touchent, vous décollez, hein, vous pouvez écarter un tout petit peu vos pieds si vous le souhaitez, ou pas, hein, et puis vous faites la même chose. Allez, H, Mi, San, Chi, Go, Loku, Si Chi, A Chi, Q, Ju. Allez, mais vous étirez bien. Allez, vous serrez et desserrez vos poings correctement. Alors pareil, vous mettez vos deux poings en position. Si on écarte les pouces, ils se touchent presque. Donc vous voyez, vos poings ne sont pas très éloignés l'un de l'autre. Nous sommes sur nos deux premiers pieds de dos. On garde les genoux au sol. Par contre, insistez bien sur le placement de vos poings. Et on descend. Et on ne bouge plus. Là, la poitrine vient effleurer les mains, enfin les poings. Et on revient. Donc là, on doit s'efforcer de garder les coudes bien serrés. Allez, H, Mi, San, Chi, Go, Loku, Si Chi, A Chi, Q, Ju. Et vous étirez. Allez, bougez un petit peu vos bras. Décontractez tout ça. On refait la même chose pour ceux qui peuvent, vous décollez vos genoux, les autres vous gardez la position qu'on avait à l'instant, et vous faites une série de 10. Ok ? Allez en position, on se met bien pas trop écarté, toujours pareil. L'idée étant toujours de, quand on plie le bras, de conserver le coude très près du corps, pour vraiment retrouver la sensation, enfin la trajectoire que l'on doit avoir lorsque nous faisons nos chokutsuki, yakutsuki, etc. Ok ? Donc vraiment, essayez de penser à ça lorsque vous faites un gros flexion. Alors, on est en position sur ces points. On décolle. Allez, on essaie de les faire bien. Alors, essayez de bien serrer vos abdos en même temps. Allez, H, Mi, San, Chi, Go, Loku, Chi, A Chi, Q, Ju. Allez, étirez. On se relâche bien. Là, vous pouvez faire un petit arrêt sur image. Et puis, vous me refaites une ou deux séries de pompes pour être bien à l'aise sur cet exercice. Voilà, j'espère que vous avez fait ce que je viens de vous demander. Donc là, maintenant, exercice suivant. On va revenir sur un travail plus axé sur les jambes. Là, vous allez vous mettre en appui sur votre main et lever le genou, talon près de la fesse. Vous insistez bien là-dessus.
hein, là ici, et puis vous allez allonger votre maoshi et ramener. Le bras est bien positionné, assez haut, le genou montez-le un peu, on déplie, on ramène. Allez, H, Mi, San, Chi, Go, Loku, Sichi, Hachi, Q, Chu. Yamé, on souffle un petit peu, et puis on fait la même chose de l'autre côté. Allez, on se positionne bien, le bras, allez, H, Mi, San, Chi, Go, Loku, Sichi, Hachi, Q, Ju. Yamé, récupérez, et puis vous me refaites une ou deux séries. Voilà, je pense que là, pareil, si vous avez fait la série supplémentaire ou les deux séries supplémentaires que je vous ai demandé, c'est très bien. On termine avec ce type de travail par un exercice sur le yokogiri du même principe. Allez, on se positionne comme tout à l'heure, mais cette fois-ci, vous allongez votre jambe déjà en yokogiri. Cherchez pas trop la hauteur, cherchez seulement à positionner votre pied au-dessus de votre hanche. Le bras en retrait, et vous allez tirer le genou vers l'épaule opposée pour replacer votre jambe au point de départ. Allez, H, Mi, San, Chi, Go, Loku, Sichi, Hachi, Q, Chu. Allez, on décontracte. Allez, tirez un petit peu. Parce que si vous avez fait vos trois séries de maoshi, on doit commencer à sentir ses muscles fessiers. Allez, on se redresse et on positionne son pied correctement, le bras. Allez, H, Mi, San, Chi, Go, Loku, Sichi, Hachi, Q, Ju. Ayane, étirez. Ayane. Donc là encore, vous pouvez refaire une ou deux séries, hein, si vous êtes courageux. N'hésitez pas. Allez, ouais. Là, mettez-vous en chokutsuki, positionnez-vous bien. Là, le but, tout de suite, vous mettez de la vitesse. D'accord ? Donc, de la vitesse, vous me tirez très rapidement à votre bras pour frapper le plus vite possible avec le bras. Ok ? Avec une légère petite impulsion de hanche pour lancer votre coup. On y va ? Allez, H, Mi, San, Chi, Go, Lock, Sit, H, Q, Tu, allons ! Allez, on se contracte. Donc insistez bien hein, sur le travail du bras antagoniste pour que l'autre ait une meilleure frappe. C'est vraiment l'intérêt de l'équiper. En même temps, profitez-en pour bien vous redresser en frappant. Hein, pensez à chaque fois, vous donnez votre coup dans le vide comme ça, c'est de penser à tirer sur votre tête. Vous essayez, l'idée, c'est presque pousser le plafond avec le haut de son crâne, hein, dans l'idée. Alors, bien sûr, ça n'a plus rien à voir. Quand on est dans certains types de combats où là on va monter les épaules pour se protéger, là non, là vous cherchez vraiment à bien respecter le schéma corporel, et bien utiliser justement ces placements pour ne pas du tout se faire mal et que ce soit profitable. Allez, on reste sur cette technique en Sangonsuki, toujours avec l'idée d'aller vite. Allez, bras gauche devant, et amusez-vous à placer votre respiration. Allez, si vous êtes à l'aise, vous pouvez faire un mouvement en apnée et les deux autres avec une expiration. Ou un seul, les deux mouvements en apnée et le dernier en expiration. Comme vous voulez. Prêt ? Vous soufflez sur chacun. Prêt ? Allez, H ! Allons ! Mi ! Allons ! San ! Allons ! Chi ! Allons ! Go ! Allons ! Lock ! Allons ! Continuez encore. H ! Mi ! Sam. Et le dernier, Chi.
Et mais, t'es contracté. Alors vous l'avez fait un petit peu, vous pouvez jouer aussi sur le rythme. C'est pas toujours 1, 2, 3. Ça peut aussi être 1, 2, 3. Voilà, ça change un peu. Allez, exercice suivant. Vous allez passer en Kibadachi. Alors installez-vous bien. Un exercice qu'on connaît bien maintenant. Mais l'idée, ça va être de retrouver la vitesse de bras que l'on vient de travailler à l'instant. Okay? Donc vous êtes là, en vous déplaçant, vous synchronisez bien le placement du bras à 45 degrés, et le moment où vous êtes en Isokudachi, c'est-à-dire au moment où les deux pieds viennent se toucher. Après, bah vous attendez d'avoir posé votre pied ici pour lancer votre gyaku. Voilà. Et puis de ce côté, bah on va faire la même chose. H. Et là, vous frappez. Ni. H. Ni. H. Ni. H. Ni. H. Ni. Allez, un seul temps. H. Ni. San. Ti. Go. Lock. Allez, un peu plus de vitesse. Sit. Anchi. Q. Tu. Allez, mais soufflez. Allez, récupérez. Donc à chaque fois, hein, vous devez avoir cherché à améliorer votre position et la vitesse de votre... Aïeul. On reste encore sur l'exercice, mais comme on l'a déjà fait, on va rajouter un magiri et centrer un dernier tsugi. Allez, placez-vous. Voilà. Donc notre déplacement. Allez, H. Voilà. Ni. Là, sur le dernier, on va passer en garde. Même temps, Magiri. Tsuki au centre. Puis on va partir de ce côté. H. Ni. Et puis de ce côté, bah, le Magiri. Sans. Et on part de ce côté. H. Ni. Sans. H. Mi. Sans. Ok, encore. H. Mi. Le Magiri. Sans. Une dernière fois. H. Mi. Sans. Allez, mais récupérez bien. Décontractez vos jambes. Vous restez concentré. Allez, là maintenant, vous allez refaire la même chose. Là, je vais en faire quelques-uns avec vous. Allez, on doit essayer de se suivre à peu près. Sans massacrer nos positions et nos techniques. Allez, oi. Placez-vous. Je donne un temps, vous faites vos quatre actions. On est prêt. Allez, H. Ni. Allez, juste avant de passer à l'exercice suivant, on le refait encore une fois, mais tout doucement, hein, une fois de chaque côté, en essayant de bien analyser ce que l'on fait. D'accord? Nos positions, corriger tout ça. Allez, on passe en kiba. Allez, on va doucement. Allez, H. Allez, vérifiez bien. Ni. San. Chi. H. Ni. San. Chi. Yo.
Allez. Oui. Bon, nous allons reprendre un travail un petit peu déjà effectué la semaine dernière. Le tenkuku rokudan, qui sert de se mettre en jambe. Puis on va le faire un petit peu évoluer, bon, on ne va pas passer trop de temps là-dessus, mais essayez d'être vigilant sur le fait de bien corriger vos kibadachi. Et puis surtout vos membres supérieurs. Hein. Pensez à bien tirer, le quitter et ne pas avoir le coude décollé. Voilà. Insistez bien sur le fait de ramener les coudes sur l'arrière, les omoplates l'une vers l'autre, ne pas creuser le dos, les abdos sont toujours serrés, et par contre tirer la tête, comme je le disais tout à l'heure, hein, vers le plafond. Ok ? Donc, on essaie de bien se positionner, on va le faire de la même manière que la dernière fois. Allez, on va saluer. Tenkuku Rokudan. Allez, tête à gauche. Aïch. Et là, on avance, tête suite. Ni. Demi-tour. Aïch. Ni. À gauche. Aïch. Ni. Là, en présentant votre dos. Sans. Chi. Le quart de tour. Aïch. Ni. Aïch. Ni. H. Ni. San. Chi. H. Ni. San. Chi. Yo. Allez, venez. Soufflez bien, restez concentrés. Et on va refaire. Ouais. Yo. Allez, l'exercice suivant. Et donc on reste sur notre tenkuku. Sauf que vous allez partir du principe. À chaque fois que vous faites le Geden Barai, vous devez vous éloigner de l'action. L'action qu'on imagine. Alors on imagine en l'occurrence un Maïeri. Donc, je m'éloigne de ce Maïeri. À chaque fois que je fais Geden Barai, je trouve la solution pour m'éloigner de lui en faisant mon blocage. D'accord ? Donc, on essaie, hein, on est bien concentré, on visualise bien les attaques. Donc, là, ici, le partenaire nous fait Maïeri, vous reculez. H, voilà. Et là, ensuite, bah, vous avancez tête suite. Voilà. Là, on imagine le Maïeri arriver là, donc je m'éloigne. H. Et j'avance, tête. Le Maïeri arrive ici. H. Et j'avance, tête suite. Mais. Yo. D'accord ? Alors, on commence ça, histoire que ça ne sert à rien d'aller plus loin, parce qu'il faut vraiment être à l'aise déjà hein, dans les premiers mouvements. Yo. Là, ici, tête à gauche. Je donne un temps et vous faites vos deux techniques doucement. H. Mais. Ok, là j'ai présenté mon dos. Non, on avance, ça sera l'exercice d'après. Allez, encore. Yoï. H. Mi. San. Ok. On souffle bien. Allez, on le refait encore une fois. Dernière approche hein, en utilisant ces mêmes mouvements, hein, on s'arrêtera au même niveau. Sauf que là, maintenant, chaque fois qu'on va faire le tetsui, on présentera son dos. Donc, on fait toujours notre Geden Barai en nous éloignant et on fait le tetsui en avançant et en présentant son dos. Yoï. Donc là, le numéro 1, je m'éloigne et le numéro 2, j'arme sous mon bras et tetsui. Aïch. Voilà, j'avance pour faire mon. Ah, pour m'éloigner, Geden Barai, et en présentant mon dos, tête suite. D'accord ? D'ici, Geden Barai, et je présente mon dos, tête suite. Yo. On recommence ça. Prêt ? Allez, le Geden Barai, H, Mi, H, Mi, H, Mi,
Mi. Allez, allez. On souffle un peu. On se concentre. C'est bon. On refait la même chose, hein, avec le seul point de départ. Hein, je donne un seul temps pour démarrer. Allez, oi. Et on essaie de faire notre ensemble de mouvements. Allez, allez. Pour en terminer avec cet exercice, on va l'agrémenter d'un Ushiro Yami. Hein? Entre le Geden Barai et le Tetsui, on s'arrange de placer notre Ushiro Yami. Donc on va le décomposer. Hiroi. Donc là, Aichi. Ok. Là, ici, je présente mon dos Ushiro Tetsui. Mais là, le tour, Aichi. Là, c'est pareil, Ushiro Tetsui. Mais ok, ici, H, ni. Yo. Ah, mine de rien, ça nous fait bosser nos Ushiro-Yai. Alors attention, si vous êtes dans votre salon, de bien regarder vos frappes. Pareil, bloquez bien votre épaule et votre hanche, de manière à ce que votre Ushiro ne ressemble pas à un Yoko-Yai. Allez, on recommence. Je donne un temps par partie enchaînée. Et ouais. Allez. Mi. San. Allez, vous faites ça 3-4 fois. Donc si là, en restant sur le même déplacement, hein, les mêmes nombres de déplacements, pour travailler un peu plus votre Ushiro gauche, ben, je vous conseille de vous entraîner aussi à le faire en partant d'abord à droite. Hein, comme ça, vous allez privilégier avec un Ushiro gauche en plus à chaque fois. Donc voilà, c'est aussi une manière, hein, de vous faire progresser sur ce coup de pied. Allez, soufflez bien. Pour poursuivre, nous allons reprendre notre tekinidan, hein, histoire de se remettre un petit peu dans le bain. On ne va pas passer la fin du cours là-dessus. Hein, on fait notre tekinidan. Normalement, si vous avez bien travaillé sur les deux derniers cours, et puis si vous êtes venu aussi, hein, au cours en présentiel, et bien ma foi, voilà, ça vous a permis de l'intégrer et de le perfectionner. Donc là, on le revoit. Un temps par temps pour une première fois. Yoroi. Hey. Yo. Tekinida. Hey. Ni. San. Chi. Hey. Ni. San. Chi. H. Ni. San. Chi. Go. H, mi, san, chi, go, lock, sit, allô. Allez, vas-y. On va se concentrer. On va le refaire une fois, pas trop vite, voilà, mais je ne donnerai que le départ, que le top départ. Allez, hop.
Pekinina. Adieu. Excusez-moi, j'étais peut-être un petit peu en dehors du champ. Alors nous allons poursuivre avec le kata Teki Sandan. Ah, vous allez venir, on a fait Teki Shodan, Teki Nidan, et on termine cette série, cette famille, avec le troisième niveau. Teki Sandan. Un peu plus compliqué par rapport au mouvement de bras, mais bon, le fait d'avoir bien maîtrisé son Teki Shodan, son Teki Nidan, bah, nous permet d'appréhender plus facilement le kata Teki Sandan. Donc, là, pour ceux qui le connaissent bien, on va le faire dans un premier temps ensemble, doucement, pour que ceux qui ne le connaissent pas découvrent un petit peu de quoi il s'agit. Allez, allez. Teki Sandan. 8, 9, 100, 10, go. 8, 9, 100, 10, go. 8, 9, 100, 8, 9, 100, 10, go. 8, 9, 100. Alors, on va essayer de faire la même approche que pour les autres Teki. Dans un premier temps, étude des techniques des membres supérieurs, debout. Yoi. Donc numéro 1, là ici, Uchiuke. D'accord. Numéro 2, Kozauke. Voilà. 3, mon point droit vient frapper sur mon avant-bras. C'est une saisie, je vais frapper sur sa saisie. Nagashiuke, Uratsuki. Voilà. Tirer à la hanche, frapper, bloquer. Voilà un petit peu ce qui va se passer. Hein. Donc on va bien les composer. Numéro 1, H, Ni, Sam, Chi. Ok, on va déjà reprendre ça, c'est assez facile. H, Ni, Sam, Chi. Encore une fois, H, Ni, San, Chi. Là, vous tirez la hanche, H, frappez, Ni. La main s'arrête un peu comme la pince de Teki Nidan, et tout de suite en plaçant le regard, vous faites un Uchi. Voilà, avec la main qui reste bien le pouce vers votre corps. Voilà. On se remet donc sur le Uratsuki, tirer à la hanche, frapper, bloquer. Voilà. Et en même temps, j'ai synchronisé le placement de mon regard sur le Uchi. Ok ? Allez, on est ici. H, Ni, San. Voilà. Encore une fois, le Uratsuki. Allez, H, Ni, San. Bien. On reprend donc toute cette séquence. Yoi. Uchiuke, H, Ni, San, Chi, Go, H, Ni, San. Voilà, alors pour ça,
8, 9, 5, 10, go, encore. 8, 9, 5, 10, go, encore. Il faut vraiment que ce soit hein, compris. Je mets le profil. Allez, 8, 9, 5, là ici, 10, go, lock. Voilà. Allez, encore. 8, 9, 5, 10, go, lock. Bien. Eh bien, on fait cette séquence-là avec notre kibbelage. Ça ne va pas être plus compliqué parce qu'il n'y a pas de déplacement pendant cette série. Vous êtes prêts? Loin. Allez, 8, 9, 5, 10, go, lock. Encore. 8, 9, 5, 10, go, encore. Un seul temps, faites l'enchaînement. 8, 8. La suite. Donc la suite. Vous êtes donc ici. Hein? Là, vous allez vous déplacer, pousser sur le côté comme on l'a fait dans Teki Nidan. Ensuite, faire une rotation de votre poignet. Là, vous passez devant le bas ventre. Vous passez au-dessus ici. Et vous faites un tetsu. Ou otoshinke, ça dépend comment on l'interprète. D'accord? Donc, vous êtes là, en chi, je dégage, je bloque, et je viens frapper. Voilà, encore. Vous êtes là, H, Mi, San. Encore une fois, ici, allez, H, Mi, San. Bien, on poursuit, armé à la hanche, toujours la main posée dessus. Tsuki, voilà, blocage Kozaoke, un second Kozaoke, Nagashiuke, Kiai. D'accord? Voilà. Donc, vous êtes ici, avec H, Ni, San. H, Ni, San, Chi, Go. Hai! On a fait la moitié de notre canal. Donc, nous allons reprendre tout, mais en restant debout. Yoi. Première technique. H. Ni. San. Chi. Go. H. Ni. San. H. Ni. San. H. Ni. San, chi, go. Aïe! Bien. On recommence ça. Mais cette fois-ci avec notre kibbelage. Prêt? Allez. H, ni, san, chi, go. Là maintenant, je me déplace ici et je pousse. H, je passe devant le bas-ventre, tête dessus. Armé, frappé. 1, 2, et le kiai. Voilà. Allez, on reprend ça. Avec les appuis. H, Ni, San, Chi, Go. H, Ni, San. H, Ni, San. H, Ni. San, Chi, Go. Aïe! Allez, encore. H, Ni, San, Chi. H,
mi, san, chi, go, ai. Yo. Eight. Allez, c'est parti. Alors, on va faire encore une fois, je mets le profil. H, mi, san, chi, go. H, mi, san, chi, go. Aïe! Donc, nous venons de faire notre uratsuki, hein, comme ceci, on est bien d'accord. Donc là, vous allez armer, c'est pas une frappe, hein. Vous armez et vous bloquez. Voilà. Ensuite, là, vous frappez. Comme au début. Un. Et uratsuki. Ok, on prend ça. Uratsuki. Char. Et je bloque. Frappe. Bloque. Frappe. Voilà, on recommence ça. Prêt. Allez. Hutch. Mais. Sans. Et comme tout à l'heure, H, mi, san. Voilà, vous avez compris l'exercice, hein? Donc on recommence ça, vous êtes sur le uratsuki. Allez, H, mi, san, chi, go, lock. Voilà. Encore. Uratsuki. Allez, H, mi, san. Fait mieux. Alors maintenant, on refait tout depuis le début, puis on poursuivra cette séquence-là avec les kibadashi qui s'imposent. Allez, yoï! H! Mi! San! Chi! Go! H! Mi! San! Chi! Go! Aïe! Donc là, je me déplace. Aïe! Là, j'arme et je bloque. Frappe. 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 Ok. Alors, on prend cette séquence-là. Hein, donc, nous sommes ici sur le uratsuki. Déplacement. J'arme. Ok. On va poursuivre l'exercice. Donc là, encore une fois, le uratsuki, prêt, allez, H, mi, san, voilà, on souffle bien, donc là, on redémarre d'ici, hein, et là, pardon, pratiquement à l'alignement de l'épaule. Et là, vous allez encore, comme tout à l'heure, bloquer, comme on le fait dans Tekkinidan. Par contre, bien tourner devant le bas-ventre, passer haut, au-dessus de sa tête, tête suit. Voilà, Otoshinke. Tirer à la hanche, frapper. Voilà. Ok ? On recommence ça. Donc vous êtes là sur votre uratsuki, sur votre blocage, hein, avec le pouce vers le corps. Là, vous dégagez. Aïch ! Bloquez, frappez. Armé à la hanche, et tsuki. Ok, ça c'est pas mal. Allez. On va donc repartir de notre position. Mais on va tout refaire, ça va être mieux. On va tout refaire depuis le début, hein, tranquillement. Allez, vous êtes prêts ? Numéro 1, Shinke, H, Mi, Kozaoke, frappe, Nagashiuke, Tetsui, Uratsuki, armé, frappé, bloqué. Allez, on regarde. Hein. H, pour chasser, vous dégagez ou vous bloquez, passez devant le bas-ventre, Tetsui, armé à la hanche, frappé, Kozaoke, Nagashiuke, Tsuki.
Là, le premier chien. Là, déplacement latéral, armé, bloqué. Frappé, Nagashinke Tetsui, Uratsuki. Armé à la hanche, frappé, bloqué. Voilà. Je, comme tout à l'heure, dégage ici, Aich, passez devant le bas-ventre, Tetsui, hanche, frappé. Ok. Yoï, on reprend tout, doucement. Allez, Aich, mi, sans, chi, Aich, mi, sans, chi, allons! Aich, mi, sans, Aich, mi, sans, on poursuit. Là d'ici, tateshu. Aich, kagutsu. Déplacement. Aich, mi, sans, allons! Yof. Fin de cadre. Donc c'est un cadre, il faut être bien concentré. Pas chercher à aller trop vite, parce que sinon, les bras vont aller dans le vont pas forcément aller où on veut. Donc vraiment, prenez votre temps. Puis petit à petit, vous verrez, vous allez vous approprier les techniques. Et puis, ben, ça va rentrer tranquillement. Donc je crois que c'est un kata hein, qui se situe dans la liste des katas pour le quatrième dan. Donc c'est vrai que c'est pas un kata si facile. Allez, on y va. On le refait ensemble. Doucement. Je vais doucement, mais je compte pas. D'accord ? Donc vous cherchez à le faire bien. Teki-sanda. Aji. Allez, je vous propose de le refaire mouvement par mouvement debout. Aich, mi, san, chi, go, rock, seichi. Aich, mi, san, armé, aich, mi, sans, chi, aïe, armé, aïch, mi, sans, chi, go, loco, aïch, mi, sans, chi, go, loc, aïch, mi, sans, ya, le kia. Yo. Ok. Prêt? Yo. H. Mi. Sans. Chi. Go. Lock. H, mi, san, H, mi, san, chi, ai, H, mi, san, H, mi, san, chi, go.
Bien. Donc là, moi, ce que je vous propose aujourd'hui, je suis obligé de décourter un petit peu parce que j'ai peu de temps pour enregistrer cette vidéo. Ce que je vous propose là, c'est de le refaire une fois ou deux, à essayer d'être à l'aise. Bon, ceux qui connaissent bien Tiki, enfin, ou qui connaissaient Tiki Sundan, hein, qui l'ont retravaillé aujourd'hui, ma foi, vous, ça ne pose pas de problème pour vous perfectionner. Les autres, attendez un petit peu qu'on soit en présentiel hein, pour pouvoir hein, éventuellement qu'on puisse vous corriger. Donc voilà, vous pouvez terminer le cours hein, tranquillement en faisant hein, du Kyonju Kumite, hein, comme on a l'habitude de faire depuis quelques temps, hein, c'est-à-dire différents enchaînements, en essayant de visualiser un adversaire ou un partenaire, et puis essayer de faire des enchaînements cohérents hein, qui sont constitués d'athénies et de blocages. Hein. Les coups sont effectués avec les pieds, les poings, mains ouvertes, poings serrés, coudes, etc. En fonction de votre niveau technique, hein, cherchez à faire évoluer hein, cet entraînement de Kyonju Kumite. Voilà, et puis terminer bien sûr par des étirements. Eh bien écoutez, je vais vous souhaiter bon courage, une bonne fin d'entraînement, et puis à très bientôt en présentiel. Oui. Merci de votre attention. Allez ça.